Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour me suivre dans mes aventures et à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Eh bien, salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur Deus Ex Human Revolution pour continuer notre petite mission. Donc, on nous avait déporté en hélico. Terroriste de la morgue était contrôlé. Donc là, c'est la vengeance pure et dure. Je voulais voir un petit truc. Alors. Hop là, si c'est pas beau ça. Des sous. Alors il y a quelqu'un là-bas. Et on m'indique que c'est juste là. Ah, il y en a plusieurs en plus. Est-ce qu'ils ont une ronde? Ah, ils sont modifiés. Au niveau des bras. Les deux. Ils ont pas l'air. On dirait qu'ils sont avec nous. Non? Chef de gang des flingueurs. D'accord. C'est quoi ça? Système de déverrouillage? Qu'est-ce que ça cause, hein? Système de déverrouillage. Appareil de piratage automatisé. Comme une grenade et lancez-le sur un terminal pour le déverrouiller. D'accord. Et je me retrouve encore en galère de place, comme d'habitude. Ah, décidément. Ah, moi, il me faut des sacs sans fond, hein. J'ai un pote qui est pareil aussi. On ramasse tout ce qui traîne et résultat, on a toujours les sacs full. Y a rien de planqué, non? On n'a pas débloqué par hasard, non, toujours un. Il a l'air sacrément modifié, lui. Oh, les deux. Oh la vache. On a un problème. Vanderlei était censé s'occuper de la morgue et la faire boucler. Et quelqu'un a pu toucher au cadavre avant nous. On peut se réorganiser et trouver qui est l'intrus. C'est trop tard pour ça. On efface nos traces. Mais... et pour le Hollandais? Aucune trace, Barrett. Je m'en occupe. Malik, cache-toi vite, maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont ici. Les mercenaires qui ont tué Megan et son équipe. Merde! J'y vais. Ouais. Je sens que on va bien galérer. Vu comment ils sont modifiés. Alors par contre, je me suis aperçu. Voilà, dynamisation 2. C'est pas mal ça.
pas mal du tout. Alors bon, je sais pas où les mettre pour l'instant. Ouais, c'est moi. J'ai tous vous pulvérisé. Là, on peut pas. Je reviens à l'arrière parce que je me demandais. Non, on peut pas. Merde. On ne peut pas. Il y avait un truc là. Ah, pour une fois que je fais que je vais là où il faut. Il y en a un qui est juste en face. J'aurais voulu qu'il se tourne. Lui là. Au moins qu'on peut y aller. Niveau 3. Niveau 3, il y a moyen. Hein. Ah, le code. Parfait, ça. C'est pour ça qu'il faut lire vraiment les emails. Hein. Oh, fusil à pompe. Non, je suis pas fan du fusil à pompe. Ah, j'ai réussi sans tuer personne. C'est un miracle. Bon, ça va pas durer, hein, je vous assure, mais. Ce qu'il y a, c'est que quand on fait ça, j'ai l'impression que de louper plein de loot. C'est le truc qui me fait chier, du coup. Connard là-bas. Alors j'ai toujours le sniper avec 4 balles. Donc, du coup, ça c'est quand on passe par là où il y a tous les autres. J'ai eu du bol d'avoir trouvé directement le passage. Je vérifie au cas où s'il y a un petit loot sympathique. Non, il n'y a rien. Au cas où si on peut débloquer encore un point. Munition fusil d'assaut, on prend ça. Toujours agréable d'avoir des munitions. Il y avait un passage comme ça de dehors.
je vais voir si je peux me le faire parce qu'il y avait des loots sur la caisse. Fléchette tranquillisante. Je peux plus rien prendre. Virus automatisé. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il y a qui me fait vraiment chier? Ah, je préfère tout garder. Hein. Je préfère tout garder pour l'instant. Allez. On va continuer. Il est arrivé, il a un fusil sniper apparemment. Ça pourrait peut-être me faire des munitions. Il y a une entrée. Quand il repart, hein, on prend pas de. Là, je prends pas de risque. Parce que je crois qu'il y a quand même un petit peu de monde en dessous. Monsieur Moustache. Fusil de précision. Non mais alors attends. Parce que là j'ai un fusil de précision. Ah, silencieux. Non, non, je préfère le mien. Je préfère le mien, autant pour moi. Lui, il n'y a pas de silencieux. Donc du coup, on en est où? Au-dessus. Aller par là.
l'air d'avoir du monde juste en dessous là. Il y a un étage intermédiaire, j'ai l'impression. Il y a une caméra? Juste là. Donc un gars juste en face. Et fait une ronde en venant vers nous. Caméra pile, d'accord. On va attendre que la caméra se tourne. On est bon. La caméra qui me fait chier. Heureusement qu'ils sont à moitié aveugles. On va attendre qu'ils repartent. On va passer sous la caméra. Me dites pas que vous avez rien entendu. J'approche de l'endroit. On sait qu'il y a quelqu'un ici. Cherchez encore. Ça annonce des ennuis. Laissez de m'avoir. Oh merde. Allez. Accès refusé. Et merde. Je suis dans la mouise, hein, c'est ça?
va retenter. Donc niveau 2. Ça sert à quoi les spams? Accès autorisé. Ok. Bien fait niquer. Je vais le looter quand même, hein. On ne sait jamais. Tout ça c'est pour moi. Là. Fusil d'assaut. Je dis pas non à des munitions de fusil d'assaut quand même, hein. Bon, après avoir fait de la merde. D'accord. Là on peut déverrouiller. Munitions pour fusil de précision. Il me faut ça. Alors attendez. Pourquoi j'ai pas... C'est fou ça. Ça c'est fusil d'assaut. Ça c'est quoi? Pistolet mitrailleur. Jeté. Voilà. Munition de fusil de précision. D'accord, c'est 5. Il y avait des munitions de précision. J'ai dû rêver. Bon, alors. Maintenant, techniquement. Niveau 2. On a besoin de code. Non. Allez, merde. Bon.
vos maps. Vous êtes ici. Oui. Tu l'as dit. Ascenseur. Attends. S'il y a moyen de passer par là. Déjà. Et non, je suis revenu au même endroit. D'accord, on pouvait passer par là. Lol. Ah oui. Ah oui, tu peux. T'as deux sacrés raccourcis. Hein. T'as deux sacrés raccourcis. Ça fera toujours un petit peu d'XP. Derrière, pas trop loin non plus, hein. Pas rien, voilà. C'est le journal, on s'en fout, des crédits. Carnet électronique ajouté. Ah ouais, c'est ça les trucs qu'on lisait. Ok. Sérieux? Tout ça pour ça? Servir. Oh là, il y a quelqu'un là-bas. Alors, plusieurs gadgets. Oh là, tu lui enfonces le nez quoi. Je sais qu'il est là quelque part. Je vais te trouver. Je suis pas là. Tu crois qu'il réveille ou pas? Rien de suspect ici. Non, y'a rien de suspect. Ah, il a réveillé. Continuez. Mieux vaut rester vigilant au cas où.
pas ici. Je l'ai perdu. La prochaine fois, je serai prêt. La prochaine fois. La prochaine fois, moi aussi, je serai prêt. Merde, il est pas ici. Il est parti. S'il revient, soyez prêt. Allez, deuxième round. Mais il va pas me faire chier longtemps, lui. Sérieux quoi. Fusil d'assaut. Putain, ils étaient bien relous eux. Ils étaient bien relous. Là quand quoi. Ok, c'est vrai. Quand on va pouvoir avoir le pistolet à fléchette, je pense que ça pourrait être vraiment vraiment terrible. Ah mais attends, par où? Parce que là je suis en train de me paumer là. L'ascenseur. Si, du coup, ascenseur. Il faut aller ici alors. Je suis en train de me poser là. Voilà. Hein, dans le camion. Pistolet à impulsion électrique. Ah mais j'ai jamais assez de place hein. Putain de merde. Jamais assez de place. C'est par où? Bah, c'est par là. Non mais là je m'éloigne. M'éloigne, c'est pas, ça doit pas être le même ascenseur. On va essayer de se rapprocher le plus possible. Dans un truc là.
peut descendre. C'est juste là. D'accord. On peut descendre encore ? Ok. On va prendre le fusil d'assaut. Je sens que ça va péter. Déjà, il y a des gadgets. Oh là là, tout ce qu'il y a. Richard, mets-moi en ligne avec Sarif. On a peut-être un problème. Génial. Adam, qu'est-ce qu'il y a? L'usine. Celle d'où venait le signal du pirate. Elle a des pancartes de la FEMA partout. Je crois que c'est une sorte de camp d'internement. La FEMA? Impossible! Le gouvernement représente la moitié de nos contrats. Je sais, mais les soldats qui nous ont attaqués sont ici. Descends. Et d'après ce que je peux voir, ils ont accès à du matériel ultra moderne. Je vais passer quelques coups de fil. Découvrez qui donne les ordres, et rappelez-moi. Bah, on va essayer, hein. 3, ils ont des robots et tout. Oh là là, mais... Là, tu tires, t'es dans la merde. 173 mètres. Oh là, mais heureusement qu'on doit pas faire tous les étages là. Ça serait la misère. Faut ramasser nos affaires et se tirer. Ouais, mais je vais pas attendre que Skignol revienne avec son chariot élévateur. Crois-moi, ça va aller plus vite à ma façon. Tu vois, pourquoi porter quelque chose qui peut marcher? Ouais. Et pourquoi elle bouge plus de là? Attends, attends. C'est forcément un de ces boutons. Oh là là, mais il y a un tank. Il y a un putain de tank. Je sens que je vais merder. Je sens que je vais merder. C'est sûr, ça, c'est sûr. Ça me rappelle le Robocop 1, vous savez. Oh, pourquoi il meurt pas lui?
fous en vue. Ah mais ils sont au même endroit. Alors on a quoi? Virus atomisé. C'est dans cette direction. Alors je me mets souvent accroupi parce que je sais jamais si quand on est debout, est-ce qu'on fait plus de bruit ou pas. Je pense que oui. Bon, on est sur la bonne voie, je pense. Planqué. Alors, piraté niveau 3. Il faut aller ici donc. Ici ou là, je sais jamais. Ça passe. %50. On va tenter. Allez. Accès autorisé. Parfait. C'est restreint.
la porte. De quoi? Pas fusil à pompe, on s'en fout. Des roquettes. Merde! Putain de sa mère! De munitions. Ouais, je sais. Trop de gens. Thank you.
Banque de données capturée. Accès autorisé. Ok, on est bon. Ok. C'est quoi ça? Des roquettes! Vraiment besoin des roquettes. Il m'aurait fallu surtout un. Bon, faut que j'aille là-bas. Non, c'est pas ça que je veux. Descendre. Il y a quelqu'un qui se cache là-bas. Capturez-le. C'est qui ça? Oh là là, putain. Oh là là, putain, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ça doit être la fatigue. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Hein. C'est, je sais pas si je passe au bon endroit du coup. Désolé, je parle pas beaucoup, beaucoup là. Et on me remet. Oh, on me remet là, sérieux. Eh fuck. C'est là qu'il faut aller, il me semble. Parti. Accès autorisé. Porte ouverte. Merde. J'avais oublié la caméra. Comme un gros naze. Là, on a une caméra. J'ai l'impression qu'il faut passer par en dessous. Je vais voir si je peux l'assommer, lui. Il y a un sniper là-bas. Qui va me voir d'aussi loin. J'espère pas. Apparemment non. À moins que. Non, ça va, ça va.
Bon, j'avance encore un petit peu. Là, on s'approche de la fin de l'épisode. Lui, je vais l'endormir. Ça en fera un en moins. Allez. J'aimerais bien le dégager, lui. C'est qu'il y a l'autre en face. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen. Quand il vient ici, je vais le mettre KO. On a d'autres bureaux ici, là. Peut-être moyen de désactiver les caméras. Ça serait plutôt sympa de désactiver les caméras. Parce qu'il y en a vraiment de partout. On va pas jusqu'à lui car il y a la caméra juste là. Je suis sûr qu'il y a moyen. Ah, c'est un petit peu long ce genre de mission, hein, je suis désolé. Je suis à 59 mètres. Et j'aimerais aller au moins dans le bureau là-bas. Si j'arrive à éliminer ces deux-là et à rentrer dans le bureau, je pense que on s'arrêtera là pour cet épisode. Se barre là-bas. Allez, retourne-toi. Allez, on y est presque. C'est bon. Sécurité niveau 2. Pirater. Ça devrait aller. Allez, on y va. Accès autorisé. J'essaie d'en faire un maximum. Alarme désactivée.
Allez, on va fouiller un petit peu le bureau avant de se laisser. Le virus automatisé, ok. Et au niveau de là. Attends. Mot de passe. D'accord, on a le mot de passe. S'il faut, j'ai des trucs depuis le début et... D'accord, ok. On s'en fout. Bah écoutez, je pense qu'on se laisse là pour cet épisode. On aura avancé quand même un petit peu au niveau de l'histoire. Bah écoutez, si ça vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, commenter, partager si vous le voulez. Si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez continuer à me suivre dans mes aventures, je vous invite à le faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine.